Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Réflexion d'aujourd'hui, c'est la suite de l'émission que nous avions fait. Nous vous avions promis que, de toutes les façons, nous allons avancer dans le sujet dans lequel nous sommes. Je vais vous rappeler ici que Réflexion, c'est une tranche de réflexion, effectivement. Nous réfléchissons sur la marche, la solution à appliquer dans notre République démocratique du Congo. Alors, c'est un sujet que nous développons depuis 2019. Nous sommes restés dans le même optique. Nous sommes convaincus que la solution que nous sommes en train de proposer, c'est la meilleure des solutions qui pourra être salutaire pour notre pays. Et ce sujet, c'est quoi? C'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. D'autres personnes pensent qu'il faut aller directement dans le fédéralisme parce que le fédéralisme va donner cette autonomie, ne fût-ce qu'à certains échelons pour les provinces ou les territoires de se prendre en charge. Nous avons déjà les entités décentralisées. Nous avons les entités, comment on les appelle, les ADT et les DEDT. Toutes ces entités-là existent, donc la carcasse existe. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous ne l'appliquons pas? C'est ainsi que vous aviez lu dans le titre d'aujourd'hui que Félix Tshisekedi est trahi par les siens. Parce que d'autres personnes pensent que le président de la République a cette bonne volonté pour que le pays marche. Il aime trop ce pays. Mais malheureusement, moi, je pense qu'il ne sait pas comment y parvenir. Il fait confiance aux gens ou bien à son entourage qui les trompe tous les jours. Et ce sont des tromperies qu'un homme, on ne peut pas commencer à te tromper tous les jours. À tous les ans, moi, sur Azako Kosao Mikolonyoso, à un certain moment, vous allez voir que non. Moi, sur Azoko Sangai, il faut que je change la méthode. Donc, le problème est à Wapi. Pourquoi est-ce que Tozali ko exécuter constitution na bisoté? Alors, sujet à l'élo, donc, nous allons parler sur le sujet que nous avions entamé la semaine passée. Comment est-ce que les états de lieu pourront amener la paix dans les territoires? Et comment est-ce que cette cohésion nationale pourra être ramenée au niveau national lorsqu'elle est trouvée au niveau territorial? Voilà ce qui va nous réunir justement. Batu om suso baza ko landangate, o baza ko linda ko sabonete, parce qu'ils ne comprendront pas exactement place ni nango tozo outa. Je vois beaucoup, à peu près 900 personnes qui ont suivi l'émission de la fois passée. Et ces 900 personnes, batuebele, batuninga, ba question belé. Et j'ai remarqué que batuebele, balanda ki kaka portion, c'est comme si babandi ko epsanga. Loba, les sous sont en tout cas continuer. C'est comme ça là. Batuebele, balobi na continuer. C'est comme ça que j'ai dit. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Comme ça, vous comprendrez. Marche ni nango tozo kenere nango. Voilà, donc la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, ça c'est le sujet. Est-ce que Fatih est-il trahi par les siens? Parce que, par exemple, Bélé, tu as évoqué, pour nous illustrer le sujet Nabiso, et ça concernait Yemoko, président de la République. Alors, prenons les grands titres à la une des journaux, et puis nous revenons tout de suite pour le développement de notre sujet. Voici les grands titres des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Niragongo, un autre soldat congolais tué à la frontière avec le Rwanda. Nord Kivu, la MONUSCO va continuer sa coopération militaire avec les autorités provinciales. Jean-Pierre Lacroix à Goma. C'est ce qu'il a déclaré. Voici en intégralité le mémorandum du FCC de Kabila au chargé des opérations Jean-Pierre Lacroix. On va sur actualité.cd.
Ituri, au moins un civil tué dans une attaque de miliciens Codeco dans le centre commercial de Boulé. La situation reste tendue. FCC, toujours mécontent, rappelle à Jean-Pierre Lacroix que les alertes concernant la fraude programmée aux élections de 2023 avaient été ignorées. Et naufrage sur la rivière Kwango, 6 corps supplémentaires repêchés, le bilan passe à 12 morts. Congo profond, Kamere à la 12e conférence des présidents des parlements panafricains à Djobourg. Afrique du Sud, le rapporteur de l'Assemblée nationale Jacques Njoli Essengeli a prêté serment au Parlement panafricain. Expo Beto Mata du 2024, Judith Simunia pour le développement du corridor ouest Redia Kinshasa et ses environs. 7 sur 7, lutte contre les monkeypox, le Japon offre 5 millions de doses. Assemblée nationale, une plénière convoquée ce jeudi pour proroger l'état de siège. Sako Molendo lance le projet de construction du terminal du stockage de pétrole et des produits pétroliers plutôt. On termine par Radio Okapi. 100 jours après l'investiture de son gouvernement, 2 députés nationaux demandent des comptes à Judith Simunia. Kinshasa. Au moins 5000 élèves orphelins bénéficient des fournitures scolaires. Lubero, environ 287 ex-combattants démobilisés en 2 ans. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, Likambutoza Nango Awa Ezali. Bon, avant d'entrer dans le sujet, hein, je prends un prélude, je prends une parenthèse. Je me pose la question vraiment. Tous ces beaux mondes qui disent que non, Félix Tshisekedi Alingi Congo Mingi, c'est comme, c'est quand même. Est-ce que papa Kolaka m'a foutu en goulouté? Comment quelqu'un peut vous inviter à inaugurer un projet étant que président de la République? Yo président de la République au Kikotou na suite était après une année. Ici, je prends l'exemple des Andes au grand marché à Kinshasa. On a habité Bato Bazan à Kinshasa parce que nous ne sommes pas là. Est-ce que grand marché, c'est Bandako, si va inaugurer? Ça devrait être fait depuis le 23. Baloba quand on a novembre avant les élections. Mais moi, je crois que Ngobi la place à Zali Fayo Kassoni. Tous ces beaux projets qu'on a invités au président de la République à inaugurer. Président de la République a mis tout na kata sangote. Place wana tokenda et koma wapi eza neni. Est-ce que moyen a ou ko zonge la kuna na kende kota la te? Mais vous venez ici, vous mettez une pierre, une première pierre au tiki okei. Batu ambanda ka baza kozela. Et je l'ai dit pourquoi? Parce que na constitution na biso lo biboye. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Il n'est pas l'initiateur des projets, non. Il est le garant du bon fonctionnement. C'est lui qui... Il y a des gens qui ont été auditeurs. Il y a bon, ok. Ah, bozo salanini. Qu'est-ce qui se passe? Likambo toloba qui toko sala. Est-ce que to sali yango? Et comme il a niveau nini. Nini, kokoso ezali wapi. C'est tout, c'est tout. Ce n'est que ça que le président doit faire selon notre constitution. Président de la République, ceux qui vont inviter, que non, toi, que ça, les locaux. Ah, je crois qu'après 3 mois, vous devrez avoir, il doit y avoir un suivi. Alors, je me pose comme question. Tout ce beau monde qui entoure à peu près 1000 conseillers, Basala Kamusala Nini na présidence, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là ce qui est en train de biaiser la bonne marche de notre pays. Place ou anande babilo, kwango ya mabe, parce qu'on ne sait pas exactement. Alors, baninga o baza koya kuna, bande kouana baza koya, baza ko beta, bazo lo bakeno, baza batu ya FC. J'ai quand même eu des informations sur les intentions directes ya banambo kouana. Maka mounine ango balingi. Kosala soki ba kangimboka.
C'est une parenthèse, hein. Je suis encore en train de m'informer. Batobele bazolo bao ngana za M23, ngana za M23. Niette, je ne suis pas encore là. On ne sait pas ce qui l'avenir nous dira quoi. Mais j'ai quand même des informations de ces gens-là. Bango baza ko prôner fédéralisme. Alors, si nous comprenons très bien, fédéralisme ezali mode de gestion. Il y a entité fédérale, c'est-à-dire que à un certain niveau, la responsabilité totale vous incombe. Na katia territoire na bino. Nous sommes fédérés et il y a des étages de responsabilité qui sont alloués à l'État fédéral. Mais le fondement ba responsabilité nyoso et utaka na katia ya katia fédération na bino, c'est-à-dire que territoire ou bien province Nabino. Personne de Kinshasa ne peut interférer de ce que vous faites. Vous êtes responsable. Vous êtes responsable à Makamounyo, surtout. Batam Soussouba Banzela, Maï, Courant, tout ça. Vous ne devrez pas entrer, aller demander à ça. Voilà un peu un mode où nous nous disons Awa, Ezako Kokana, Naeloko Tozoloba, Awa, rétrocédons le pouvoir au niveau de la base. Pour que cacophonie zalaté. Vous vous posez comme question, j'ai dit ça ici, président de la République, boyo ki ke non, il faut kokende kokobu kazando. Deux ans après, tu ne poses pas la question, tu n'y réagis pas même sur ce qui se passe sur ces zandos-là. Bozo kende kokobu kango boyebi place mongo ko utate, tout ça, vous C'est là la faute du président de la République, Bande Konangai. Si nous pouvons reprocher à Félix Tshisekedi dit quelque chose, voilà la faute. La faute qu'il est en train de commettre tous les jours. Et on ne sait pas, le mandat est terminé. Je ne sais pas s'il pose la question, où en est-on avec le programme des 145 territoires dont on a tant vanté? Quand on vous donne, par exemple, un texte que vous allez lire devant le peuple congolais, vous emportez la responsabilité. Président de la République, Oye Olobi Kenoto Sombi, 6 avions. Tu donnes même les modèles. N'est-ce pas qu'après 2 mois, tu ne peux pas poser la question, « Avion Ango Komi Wapi ?» Toko inaugure angom kolonini. Tu ne poses pas. Donc, c'est rester en silence. Tobo sani ango kutu. Nani ango azo pesa yo. Nani ango loki yo. Qui est ce sorcier qui vous a ensorcelé, monsieur Félix Tshisekedi? C'est pas possible. Tout ce que nous faisons. Regarde. Bokoti na bokonzi na 2019. Bon, lancer projet à 100 jours. Nungu eye okangi batu. Mutuana bokangami. Et comme il kimasta nde ezali awas. Voilà la reproche qu'on reproche au président de la République. Nani angwazo kosa yo, ou bien yo mokoza mi kosa, ou bien ce sont l'incompétence, oye bien lo kwa kosa la te. Et donc, nous lorsque nous parlons ici en disant comment y parvenir. Tozo bave eloko wana bilba ba koko sonyo soana ozoko porte tolobi. Président de la République, vous pouvez encore faire quelque chose pour ce pays. La mouka na pongi wana, sisi mouka na pongi wana. So keza batuwa waza pembeni na onde mtu waza kokaleo, kaleo pona otunate. La mouka na pongi wana. Yo kakape ba réseaux sociaux, c'est comme si vous êtes déjà coupé avec le monde de téléphone. Zouata Android pour yoka température et abattu. Qu'est-ce qui se passe effectivement? Qu'est-ce que les gens disent? Peut-être vous êtes contrôlé, peut-être basi balokayo donc otikala kaka eloko moko boye. Est-ce que ça vraiment moi na Tshisekedi vraiment? Est-ce que vous ressentez le besoin du peuple? C'est comme si eloko moko ezala kate. C'est comme si vous êtes là pour. C'est un lion en carton. Au moins, t'as ce qui lui est à la kawana.
Il n'y a plus rien. C'est comme si le pays n'est pas dirigé. Nous n'avons pas un président. Faudrait-il qu'on puisse avoir des généraux, des capitaux comme Constant Moutamba, oh, Akoya, c'est quoi l'obité, tout ça, la Makamunandenge. Regardez les gouvernements en question. Chacun est pour soi, Dieu pour tous. Personne ne les unit. Pourquoi? Parce que même le premier ministre, là, c'est un pion. Voilà ce qui est la majeure partie. Voilà ce qui est très, très important à savoir, vous, les Congolais. Parce que Tozo y est batté. Premier ministre, nous commençons à se dire, nani andazo salanini na gouvernement. Nani andazo salanini. Et même les caporaux, bateaux, bazako, les canabas médias, balobike, président de la République, Tozo beta faux. Bah, comme on compare en gros na match à football, que Tozo pola, ça a quelque chose. Coach, ça a quelque chose pour Kemboke Bonga. C'est pour cela que nous vous appelons aussi. La seule chose qui peut vous sauver, Seigneur, c'est qui peut sauver Félix, c'est quoi? C'est Ala Mukana Pongiwana. A considérer que Congo vraiment a un souci à Congo. Congo Kobonga, Yemoko. Le fait de proclamer, d'appeler les états de lieu de chaque territoire, pour que tous les Congolais aient participé na masolo ya kotonga mboka, ça se fera déjà de lui quelqu'un de grand. Et c'est tout ce que tout le monde réclame, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce que lelo na kabambare, makambozo le kanakuna, tu n'as pas l'idée. Les groupes armés qui se créent, est-ce que les alliés politiques canadiens, est-ce que Zaka Barouane ne m'tubazo et puis ça biso kato ou ça la biloko? Est-ce que Zaka Barouane ne m'tubazo empêcher biso totonga babalabal, même ba bâtiment na biso moko? Les Soki Kinshasa Arena, toutes ces histoires-là. Est-ce que Zaka Barouane ne m'tubaiba kimbongo à francophonie pour ba pesa biso wa biloko moko ezangatina? Est-ce que ce sont les Rwandais qui, au lieu d'être responsables, nous restons cosmétiques, bon, organisons ceci, voilà. Et même la rentrée parlementaire, vous sentez que le peuple, le bah, dirigeant Nabisso, bazo ça la blague, il considère que tout va bien. Nandenge na bango makamuno surtout est bien, tout se passe bien. Et Kamere, entre parenthèses, batu bazakoya, bauti, soki, Kinshasa, ba eko participer là-bas, ils laissent le pays en guerre. Ils en font fi. Et le peuple n'est plus responsable. C'est à vous. Le pouvoir est entre les mains du peuple. Mais le peuple en gopé comme amorphe. Ce peuple devrait se soulever depuis longtemps. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous disions que le seul salut pour le président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'instant, et ça commence déjà à être trop tard. Yakobengi Samasolo, Otobengi, les états des lieux de chaque territoire. L'idée doit être faire passer au niveau des leaders d'opinion. Et l'idée mérite pas aller prendre dans le bain. Vous faites comme les autres à Kekota là-bas, à Nebazonga qui classe. Tu es assis là-bas. Ça n'a pas de fond. Le pays ne marche pas. On est en train de vous tromper. Et moi, je me suis dit, tant on a tali président na mon vidéo, avec un sourire jaune, je ne sais pas si vous comprenez un sourire jaune. C'est comme si Batindi Kiewana Baibisie à Seka. Du fond de lui-même, il sait que Makambwa Zosala Zosala Ngomalamte. Moi, je n'ai pas vu quelque chose de sincère en lui lorsqu'il prenait un bain de foule avec les enfants à l'école. Alors, le salut, c'est d'appeler les états des lieux de chaque territoire. Comment on va le faire? Parce que c'est ça la question qui est revenue. Il y a Batounio, surtout Bazo, tout Navalobi, mais Germain, on va faire Nani Angwa Okende, Nani. Est-ce que Batou Bakoyokana? Je vous dis une chose.
lorsque le président de la République lelo a fait passer idée wana yako batuba solola, les gens seront obligés de se mettre ensemble. Et c'est par là que peut naître ce que nous appelons pas la cohésion nationale, on appelle ça le mot va revenir. Et le cohésion kotiabiso ensemble, otoyokani, boyokani. Je cherche le mot là, il ne vient pas. Lorsque nous allons nous entendre, lorsque tokoyokana, et c'est par là que nous pouvons avoir une certaine cohésion. Nous devons nous mettre d'accord. Se mettre d'accord, il faut demander aux gens d'aller se mettre d'accord dans les territoires. Et pourquoi dans les territoires? Parce que dans les territoires, Batoubaye Bani, Ngaï, Germain, Mounande, Naokyo, Kende, jamais, na territoire, Yakoua, Ngona, Kende, Kuna, Naebi, Daer, Kuna, Koloba, Mounoko, Akunate. Tandis que dans les territoires, Batouana, Baye, Bani, Baebi, Keta, Tel, Azam, Mounabiso, Tel, Azam, Mounabino, Batoba, Outa, Boe, Batoba, Sala, Boe, Batoba. Les intellectuels, les notables de chaque territoire sont connus et les politiciens de chaque territoire sont connus. Zongi sabango kaka yeb sabango bo kende bo se choisir 300 personnes pour que na territoire boyokana bo solola batuba vanda bako solola nini. Batouana bakosolani na territoire wana. Ils vont bakosolana babiloko mibale. Ils vont parler de deux choses. Comment est-ce que bakoki ko appartenir na République démocratique du Congo, c'est-à-dire rédiger une ébauche d'une constitution, bakende na ba matière nyonso ya constitution. Et puis ils donnent leur propre point de vue. Deuxième chose, ils vont faire l'identification et le recensement de la population dans leur territoire. Bande Konangaï, vous ne pouvez pas prétendre diriger un pays dont vous ne connaissez même pas le nombre d'habitants. On est en train de se vanter que non, il y a où Azo Sala et Lokobo et Nas fonction publique. J'ai eu honte. J'ai eu honte, mes chers amis. Naoka ki soni. Nalobi moutou Azako Loba, Azako Kumisa, il y a où na fonction publique. Est-ce que pays Ezakaka na Kinshasa, c'est seulement la fonction publique à Kinshasa qui fonctionne. À Aru, à Kabeya Kamwanga, combien de travailleurs de l'État, est-ce qu'elles ne font pas partie du fonction publique? Aussi oyoka que non, il y a ouaké na Kabeya Kamwanga. Ata na Bukavu ya Pamba, il y a ouaké na Kunate. Et donc Kinshasa est devenu la République démocratique du Congo. Batouana bazalaka na bango batoute kuna. Voilà le pourquoi que nous a président de la République appeler ces états des lieux de chaque territoire. Pourquoi? Parce que les territoires vont récupérer leur conscience à Koloba. Ce qui pont et tongami awate, c'est de notre faute. Population na biso nde kotu na biso balobi me bino bozo sara nini wana. Nous ne devons plus, population, na yoka ki yelezier tambozo lobao, batu ya kabambare, batu ya kuna kivu botika kabatu basala bino. Le pouvoir n'est pas là.
rétrocéder le pouvoir côté Kuna. Et moi, je me suis dit, est-ce que Tipu Azako Kanisa? Pourquoi lui a quitté chez lui pour venir à Kinshasa? Pourquoi lui n'est pas rentré chez lui? Et puis c'est lui qui commence à kogoya ko finga bato alobio bino bato boza kuna boza ko comme ça bato banini tout ça. Le pouvoir n'est pas là, nous sommes sous la botte de Kim. Et regarde, comme nous sommes sous la botte de Kinshasa et Kinshasa ne fait même pas allusion à notre existence. C'est comme ça que je dis que Liaou Asal, est-ce qu'Asia Kendata na Kisangani? Oui, une fois que j'ai entendu, une fois il était là. Mais Kisangani n'est pas la province orientale. Nous devons savoir comment les territoires fonctionnent. Il y a combien de personnes dans les territoires? Nous devons savoir combien Bazouakambong Nenyenini. Mais tout le monde s'acharne à venir à Kinshasa. Tout le monde, numéro matricule au Kozoango à Kinshasa, passeport au Kozoango à Kinshasa. Et à l'intérieur du pays, on ne fait que tous les kaba minéré, minéraux na toté qui tous imbongo tolié, totongé loko mon côté. Bandeko, donc, tokundie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte d'identité. Et c'est ça le réel problème pour résoudre le problème réel du Congo, le recensement et l'identification de la population. Dès que nous serons capables de quadriller notre pays, nous saurons qui est qui. Madame Moko Awa a se posé dans, je crois que j'ai cette information là, je vais vous la diffuser dans émission live. Cette dame là a rejeté les résolutions ya koloba ke Congo est capable ya kosiri salikamba ba FDLR, donc que solution en exam à la montée. J'en parlerai lorsque je parlerai de l'insécurité. Si nous ne sommes pas capables de quadriller, de connaître qui est congolais et qui ne l'est pas, nous ne serons pas capables aussi de terminer l'insécurité. C'est pour cela que nous disons le grand problème qui règne en République démocratique Congo, c'est le recensement et l'identification de la population. Nous ne pouvons jamais pour l'instant, nous avons encore du temps. Et c'est comme cela que j'ai dit. La proposition que nous faisons ici à Contact Pro Life, c'est la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Comment nous allons l'organiser? Je vais vous donner tout simplement, c'est pour cela que je vous dis, abonnez-vous, Bandeko. Parce que solution autosa qu'on propose, nous pensons que si vraiment Tshisekedi a satellé na position Oyo, na solution Oyo, ça peut nous faire avancer quelque part, na ko résoudre, na likambo ya ba rébellion Oyoza ko utakuna, na likambo ya sécurité na kati ya mboka. Il y a un frère qui a donné une réflexion sur WhatsApp. Je vais vous le mettre dans l'émission live. C'est pour cela que je vous dis, na ba vidéo, na ba tout ce que je ramasse sur Internet, je le diffuse sur les émissions live. Il parle tout simplement na katia otolobaka mikolonyoso. Nous devons recenser et identifier les Congolais pour résoudre les problèmes sécuritaires. Na yebi sibino mutu moko atindi ba photo na WhatsApp alobi tala États-Unis za ko construire ba mur ba lobio solution na biso ezali peto construire mur moko biso na Rwanda. Nous allons construire ce mur comment pendant que nous-mêmes nous ne nous connaissons pas en interne. Mur on est ko servir na nini? Parce que l'insécurité est en interne. Ba tu ba uta ka Rwanda te ba yaka ko attaquer biso. Non. Moi, je dis carrément non. Les rébellions sont en interne. Même les Nandenge Toza Abatwaza Koiba Mbongo, déjà, c'est vraiment la déstabilisation du pays. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ordre. Tokotonga Mirwana, Soki Sikona, Katiawa, Tozoyo Kanate. Mirwana d'ailleurs, Tokotonga Ngonengenini, au moment où nous ne connaissons pas, Bidjen Abiso Toza dilapide Angona Babilo, Komoko et Zangatina. Nous sommes dit ceci, Bande Konangai. La façon de résoudre ce problème ici, Ezali Nini, Ezali qu'on rétrocède le pouvoir au niveau de la base. Monsieur le Président de la République, convoquez les états de lieu de chaque territoire. Et qu'on peut s'abisson Nini dans l'état de lieu. Et que ça va conférence, et qu'on t'indique à Batouba ensemble, va réfléchir
sur un nouveau Congo. Le nouveau Congo ne sera pas réfléchi par un certain nombre de personnes qui ont imposé le sous-subisso. Nous ne ferons pas la différence avec ce que les autres ont fait. Lorsque ces états de lieux peuvent avoir lieu, et qu'on peut avoir une émission, il y a tout, dans le niveau de territoire, base de conscience, il y a territoire où il y a des gens, il y a des gens, toza eza mboka na biso de toutes les façons tokozela mutu te ya kotongela biso pont tokozela mutu te ya koyebisa biso eloko nini tokolia biso moko tokozwa sécurité na biso. Et maintenant l'état fédéral va avoir certaines responsabilités à l'ikolo. C'est ça donc tozolo ba na kati ya ba fédéralisme. Mais maintenant la démarche, le premier pas, il y a que ça, là, pour qu'on éveille conscience à Batou. C'est d'abord leur donner cette responsabilité. Et, awa naza komi tout na lobi, ba master o baza kote wana mousousou. Qu'est-ce qu'ils font? Donnent-ils la responsabilité des territoires qu'ils sont en train de conquérir en réveillant aux gens de se mettre d'accord pour que nous puissions fonder un nouveau Congo? Si c'est dans ce cas-là, en tout cas, beaucoup qui comme on engage na longole libango chapeau, et que parce qu'il n'y a pas d'autre chose, unitarisme otoza na kati échoué makasi. Voilà, maintenant je vous avais promis de dire comment est-ce que la police, les forces armées de cette nouvelle république sera formée. J'ai cherché le mot consensus. Lorsque les territoires atteindront un certain consensus, donc boyokani bayokani balobi bon biso awa, voilà ce que nous avons à dire, voilà ce que nous pensons faire et nous commençons à le faire maintenant. Et kobandanenin, ils sont réunis en conclave, ils sont à 300, ils se désignent. Batunini ngo bakoki ko sala musala ya identification. Qu'est-ce qui peut être chapeauté? Parce que nous avons des textes ici, nous avons même le schéma. Et il suffit maintenant de remplir Batouana Robité, Batouyo, profil Nabango, il faut Batouyo, Bakoye, Bakoye, pour que ça l'ordinateur, pour qu'on recrute. Et ça, nous avons l'administration déjà à niveau à base bandit. Et là, vous allez voir que Misala a un territoire qui est comme Salema. Les territoires seront qui font quoi? Banani yango bayaka nini, quelles sont les statistiques ba agronome na kati ya territoire wana, comment gérer l'urbanisation territoire na bango, comment ils font tout ça. Et c'est à eux de leur responsabilité, ya kozwa mbongo, ya kotonga, ya kosala ba projet, ya kosala nini nini. Et maintenant pour la défense na ba territoire wana kokoso ezali, moi je parlais ça avant que le M23 n'avance. Je demandais ça au président de la République. Tant qu'on a un territoire wana, batunyo surtout bakozala, ko benga makosolola. Vous n'allez plus sur ko ya kosolola na M23 comme nangao comme mouvement rebelle, non. Et je m'étais opposé à ce temps-là. Ça fait presque 2-4, donc 2 ans ngo tozolobela likambwana. Oyi ko banda kosolola na ba groupe armé té. Les groupes armés ne sont pas là pour que Obanda Kosolana Bango, Kosolana Bango Tiwapi. C'est comme ça que je dis, peut-être Félix Tshisekedi Babanda et Kokosae, ou bien Basiba Lokae, pour qu'il ne puisse pas se rendre compte, ou bien ne pas suivre les réseaux sociaux où il y a parfois les vérités qui sortent. Congolais, faut vendre, tout changer. Voilà une façon autrement de faire les choses qui est différente. Non. Oignon sotue salema, oba tubazo benga dialogue, tout ça. Voilà l'autre façon de faire les choses. Ce qui te saline à modèle, oyo, je pense que nous pouvons aboutir à quelque chose qui sera différent de ce que nous continuons à répéter, tout ça, batubazo, ouele la bokonzi, na Kinshasa, tout ça. Mais dès que les bokonzi seront dans les territoires et que l'homme congolais pourra avoir, savoir que non,
Aucun au compte na Kinshasa te ou bien au compte na Kinshasa kaka peut-être ce qui na babilo comme sous mais mbongo na yaza ko gérer ba minere na yaza ko gérer ba yedi ba tuna ba na ba tuna ba tuna kati ya territoire na banae. Nous pouvons savoir ça, c'est le début, mais maintenant ce qui to komi na batu na territoire basili si ko solo là, ils ont un compromis, ils ont un compromis consensus. Ya batwana basi bayokani nde bakoya na ngona na territoire na région plutôt na province. Ba province za na ba territoire ebele batwana na ba territoire ba kotindika batu moko boye na kati ya ya province. Si c'était 300 on dit bon 30% 30 personnes bakeyi na kati ya province pour qu'on accompagne ko accompagner ba desiderata na bango o eza couché na ebochwa na constitution. Et tout le monde maintenant va se mettre d'accord encore là-bas. Nous avons un consensus provincial. Au Comona, si par exemple dans les 26 provinces, 15 provinces ou bien 10 provinces, ou bien 3 provinces qui vont atteindre le processus et consensus, ça va être comme un boule de neige et que tu as kangisango tozu constitution à Sika. Et cette constitution-là pourra passer maintenant au niveau à référendum. Tout ça, le référendum. Ça va se faire dans un référendum ya solo. Référendum ya solo. Pourquoi je dis que référendum ya solo? Parce que nous aurons les états déliés par conférence wana et si identification na recensement ya population. Et donc nous saurons combien nous sommes au total en République démocratique du Congo. Et c'est par là qu'on peut dégager Tolobi. Bon, bah, tu as voté, bah, qui cause à la 40 millions. Vous allez voir que les gens vont s'engager. Les gens vont s'engager. Ils auront déjà. Parce que moi, quelqu'un m'a posé la question de savoir combien de temps ça peut faire. Bandeko, le temps est précieux, le temps est à prendre avec beaucoup de temps. Et je me dis, ce qui processus à Marco Tolingi, tu as implémenté en haut. Ça ne peut pas nous prendre moins d'une année. Ce qui tolingito kene nangomba, nous risquons de biaiser les choses. Nous n'avons pas à nous rache. Donc, tous en apprend ça qu'au Kimambangouté. Parce que même l'Occident, ils vont vous donner. Bakotia bino pression. Tous en a besoin de content. Tous en a besoin de mine. Tous en a besoin de bongo. Non! Tout lié. Et là, nous pouvons faire monter les enchères. Si nous bloquons, par exemple, la République démocratique du Congo, comme la Chine l'a fait, tous en abisso précédé. Bon, comment on a bakobanda kozoyo na biso na valeur. Ils vont venir nous supplier, bakasi, boyo kanano kiko, bo salano wite, malembe, malembe. Et le prix de nos cuivres, le prix de nos matières précieuses vont monter. Mais biso toza mayele mouke. Amérique, ils ont besoin que non, tu oublies les Français, non, il faut votre salaire boy, les Chinois, oh, tu en as besoin, coltan, tout ça, on vous vante, on vous manipule, na ba nandenge boza bichuchu, comme on dit, boza réfléchir, te bino nyo surtout tu en as confusion et nous perdons la pédale, moi et toi avancer malamu, ezate. Bandeko, la rétrocession du pouvoir au niveau des territoires. Pour que les territoires puissent commencer à être capables de se prendre en charge, est très très important. Et cela ne peut se faire qu'avec un leader éclairé. C'est comme ça que moi je suis en train d'expliciter le schéma. Quand j'ai entendu que tu as M23 Bazako prônait le fédéralisme, je les ai écoutés, j'ai continué à les écouter. Il y a quand même une lueur d'espoir avec un nouveau système qui peut changer complètement de ce que nous avons aujourd'hui. Ça peut nous faire sortir de ce marasme dans lequel nous sommes. Bandeko, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Parce que tozo continue, na numéro ezakoya, comment nous allons faire une armée républicaine. Na modèle au katozali, tozo préparer 4e République. Mais comment nous allons préparer aussi une armée républicaine? Ça sera le sujet le plus important parce que Ecosil Samakamba groupes armés.
Bon s'abonner belé, pourquoi? Parce que bon manquer en côté. Alors, quand vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié lorsque nous mettons les nouvelles vidéos. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour votre attention, votre temps que vous me donnez à m'écouter. Merci beaucoup vraiment pour les gens qui m'appellent. Merci beaucoup pour les gens qui m'invitent dans leur espèce pour que j'explique. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.